Bonjour, 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 bonjour les astuces. Vous allez bien? Partagez s'il vous plaît. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Oh là là. Jessica Maitim, alaykoum salam. Qui a ta djabi, ça va, Alibou. Akibul, I love you. Comment vous allez? Vous allez bien? Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Aya, partagez. Partagez, s'il vous plaît. Nafissatou Ouattara, merci beaucoup. Lydie, Sanou, comment tu vas? Bon, Mousso. Mimi, Makassi, comment tu vas? Dame Fofana, bonjour. Bijou, comment tu vas? Aminata, comment tu vas? Nathalie, oh, hello. Nathalie de Genève, comment tu vas, ma grande? Justine, comment vous allez? Ça va. Kokain, voilà, Kokain, Makassi. Kokain, Foytina. Ma page est attaquée, oh. Où est-ce que vous parlez de qui? Vous ne me voyez pas? Vous ne me voyez pas? Mounat, comment tu vas? Vous ne me voyez pas? Dites-moi si vous ne me voyez pas.
Ma page est attaquée. Oh. Je ne peux même plus publier mes propres directs. Oui, moi je vais bien, Lydie. Merci beaucoup. Grace, ça va? Nathalie. Ça va, Alhamdoulilah. Prends soin de toi. Amina, Aminata. Bamba. On voit très bien. Ok, ça va. Ok. Donc, partagez la vidéo, on va commencer. Partagez, partagez. Appelez les Ekaland ici, s'il vous plaît. Appelez les Ekaland ici, s'il vous plaît. On va parler. Oh, Meite, cocaïne. Voilà. Je ne viens pas ici pour prendre la défense d'Emmanuel Keïtan. Il faut qu'on soit bien clair. Voilà. Mais taguez-les-moi ici. On va se parler dans la paix du Seigneur. Pourquoi ils vont penser que Kadi veut et les abonnés d'Emmanuel Keïtan. Vous me connaissez. Moi, je suis perdu. Je suis une personne là. Je ne tourne pas autour du pot. Quand il y a la vérité, je dis ma vérité. Puis je quitte ici. Voilà. Je vous ai toujours dit. Moi, je ne vais pas venir déposer ma caméra pour venir défendre ma camarade femme. Pourquoi? C'est elle qui m'avait venu en France ici. Mais quand il y a la vérité là, j'ai le courage de dire la vérité. Voilà. Je ne suis pas ici pour défendre qui que ce soit, mais je vais dire la vérité. Taguez les Ekaland ici, s'il vous plaît. Même pas les Ekaland même, parce que ça ne vous concerne. Bon, les défenseurs, on peut vous dire ça, on peut vous appeler comme ça. Mais taguez-moi Emmanuel Keïta. Il n'a qu'à venir s'asseoir, il va écouter ce que je vais lui dire. C'est important. On a combien de partages? On a combien de partages? Ok, continuez de partager s'il vous plaît les amis. Hein? Aya partage, aïe, ça va aller. Dali, elle est lourde. Merci, général. Continuez de partager s'il vous plaît, c'est important. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Connais la meilleure. Qui est ton ami là? Koso, Yako. Ok, vous allez bien? Salimata connaît. Vous allez bien? Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Ça va, Alhamdoulilah. Vous savez, les gens qui sortent pour m'insulter, comme quoi ils veulent défendre Myriam, c'est des gens qui n'ont rien dans la tête. Donc, je ne vais pas m'attarder sur eux. On va commencer le sujet. Vous comprenez? Vous savez très bien qu'on avait mis un comité de blogueurs fafouillassés en place là. Vous savez très bien que je faisais partie de ce comité. J'étais la secrétaire générale de ce comité. Vous savez, très bien. Et dans ce comité, on avait pris les différents blogueurs. On était un groupe et tout ça, tout allait bien et tout et tout. D'accord? Je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment où on devrait parler de... La dernière fois, j'ai branché ça ici, mais bon, je ne suis pas allé en profondeur. Au moment des élections, là, il y a Emmanuel Keïta qui est sorti pour faire une vidéo où elle a traité le président de la République de boy, petit garçon, un truc comme ça. Voilà, elle a parlé de ça. Qui se souvient de ça? Dites-moi, ceux qui se souviennent de ça, dites-moi et puis je vais avancer. Je vais vous dire le pourquoi, le comment. Je vais vous dire la vérité, rien que la vérité. Maintenant, si quelqu'un vient vous asseoir pour raconter n'importe quoi, là, dites à la personne que Kadi dit, tu mens. Oui. Qui se souvient de ça? Écrivez ici, qui se souvient de ça? Les Ekaland, si vous vous souvenez de ça, voilà, vous vous souvenez de ça. Quand elle a fait ça, qui sont ceux qui ont applaudi Emmanuel Keïta? Salimata, tu te souviens de ça? Quand Emmanuel Keïta a fait sa vidéo où elle a traité le président de la République de boy, elle n'était pas d'accord avec son troisième mandat, d'après eux-mêmes. Donc, elle n'était pas d'accord. Voilà, il y a d'autres qui ont fait des directs et tout et tout. Quand elle a fait ça, voilà, c'est les soroïstes
qui sont venus pour applaudir Emmanuel Keïta. On va aller pas à pas. Les soroïstes sont sortis pour applaudir Emmanuel Keïta. Sur la page des soroïstes, là, c'est Emmanuel Keïta qui était là-bas. C'est Emmanuel Keïta qui défilait là-bas. Ils ont applaudi Emmanuel Keïta. Jusqu'à ils disaient même que, ouh, on adore la Golade. Parce qu'elle est venue, en tant qu'une influenceuse, elle est venue dire ça. Donc, ils ont aimé en même temps. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire maintenant? Il fallait envoyer Peter 007 vers Emmanuel Keïta maintenant. Je vous ai dit, Myriam, le but de Myriam parmi les blogueurs là. Il y a d'autres qui disent que non, c'est parce qu'elle ne connaît pas sa place, elle est venue se ménager. Donc, elle n'a qu'à assumer ce qui est en train de l'arriver là aujourd'hui. Moi, je vous dis que vous êtes des... Vous ne savez pas ce qui se passe en fait. Il y a d'autres qui disent que Kadi, c'est une opportuniste. Elle a profité de la dame. Voilà, voilà, voilà. Vous pouvez raconter votre merde. Moi, je n'en ai rien à foutre, en fait. Je suis lancée, je m'en vais. Je ne vous vois pas. Donc, dans les oh, Peter s'est approché un peu de Emmanuel Keïta. Comme c'est une dame qui venait de rompre avec, comment elle s'appelle, Kimberly. Ou est-ce, comment elle s'appelle, Chamberly. Elle venait de rompre avec Chamberly. Elle était attaquée sur la toile. Les gens se moquaient d'elle. Elle a même fait une vidéo. Elle n'était pas bien. Et tout et tout. Donc, ça n'allait pas. Elle était vraiment déboussolée. Je me mets un peu à sa place parce que nous, les femmes, on est très, très fragiles. Je répète et je dis, je ne suis pas ici pour défendre Emmanuel Keïta. Mais je dis ma part de vérité dans la paix du Seigneur. Voilà, parce que ça parle trop. Voilà. Donc, quand Peter est venu vers elle, elle s'est vue. Parce que quand tu rompes avec un autre mec, et tout de suite, bon, pas forcément tout de suite, quand un homme s'intéresse à toi, ça te donne encore de la confiance, ça te met en confiance, tu te dis, waouh, ah, j'ai cru que j'étais fanée. Tu vois, non, ça te donne encore plus de confiance. Et là, elle ne savait pas que c'est le fait même qu'elle est venue s'asseoir pour faire boy, nia, 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 son petit mal. Elle faisait son petit lobby. Mais eux, ils ont pris ça pour charger sur leur tête. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait venir vers elle maintenant. Genre, comme si on veut d'elle, nanani, nanana, rentrer ici, sortir ici. Elle est tombée aussi dans leur piège. C'est là où vous avez vu les fiançailles. C'est là où vous avez vu tout ce qu'on a vu là. Vous avez compris? C'était pas pour faire du sérieux, c'est Kadi qui vous dit ça. C'était même pas pour faire du sérieux. Ça dit Myriam, elle voulait recruter les gens que les voix portent là, au profit de Soro Guillaume. C'est moi qui vous dis ça ici. Il n'y a pas chat, il n'y a pas chien qui va dire Kadi, tu mens. C'est moi qui vous dis ça ici. Donc, quand Emmanuel Keïta a fait ça, puis t'es rentré dans le jeu, tout ça là. Elle a cru qu'elle a trouvé un homme dans les hauts. Emmanuel Keïta, croyant que, comme Peter avec Soro Guillaume, elle a pensé qu'elle allait pouvoir croiser Soro Guillaume. Elle a pensé qu'elle allait voir Soro Guillaume. Dans la tête même d'Emmanuel Keïta, je vais vous dire, Peter a pris Emmanuel Keïta pour bête. Emmanuel Keïta aussi a pris Peter pour bête. Mais sauf que, devant un homme, une femme, c'est toi qui vas toujours avoir honte. Vous comprenez? Donc, Emmanuel Keïta, c'était pas Peter en fait qu'elle voulait en fait. C'était pas Peter. Mais, il fallait passer par Peter pour voir si tu pouvais rencontrer son patron. Vous comprenez? Peter étant malin, il a compris déjà qu'est-ce que Emmanuel Keïta voulait. Donc, il a tout fait pour bloquer Emmanuel Keïta. C'est-à-dire, tout fait pour montrer à Emmanuel Keïta que, voilà. C'est-à-dire, quand il était avec eux, j'étais pas avec eux, hein. J'étais pas avec eux. Mais Emmanuel Keïta, si elle regarde ma vidéo là, elle va dire, là, go là même, qui lui a dit ça là? Ah, c'est là que vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses. Vous comprenez? Peter a fait croire à Emmanuel Keïta, pour voir Soro Guillaume là, il faut passer par moi d'abord. Pour faire quoi que ce soit avec Soro, il faut passer par moi d'abord. Je suis son bon petit.
C'est-à-dire, et Soro Guillaume, là, moi-même, je suis son bon. C'est-à-dire, mais Emmanuel qui était en confiance. Tu vois, la mettre en confiance, Jean, c'est moi d'abord. Tous ceux qui parlent là, ils n'ont pas accès aux vieux. Le chao, c'est moi. Donc, vous savez, moi, je dis toujours, une femme, si tu n'es pas... C'est-à-dire, il faut être opportuniste, mais il ne faut pas être de la mauvaise manière. C'est-à-dire, il y a des femmes qui sont... Elles sont là, elles ne sont pas ambitieuses. Elles n'ont pas d'ambition, quoi. Tu peux tout reprocher à Emmanuel Keita, mais c'est une dame qui est... Elle est très ambitieuse. Tu peux tout reprocher à Emmanuel Keita, par flottage ou quoi, tout ce que tu veux. Quand elle touche ta cale, il ne faut pas en se mentir. Tu peux la détester, tu peux dire tout ce que tu veux. Même quand Emmanuel touche caca, ça devient quelque chose. Il ne faut pas en se mentir. Quand tu veux dire, quand tu veux parler, quand tu veux critiquer le lièvre, il faut se reconnaître qu'il court vite. Il ne faut pas en se mentir. Vous comprenez? On voulait utiliser Emmanuel Keita. Les soroïstes voulaient utiliser Emmanuel Keita. Donc, Dieu sachant faire les choses, ça s'est gâté maintenant entre eux. Vous comprenez? Parce que Emmanuel Keita ne s'attendait pas à ça. Vous comprenez? Elle a fait ils ont fait les fiançailles et tout. Mais ce n'est pas ce qu'elle voulait. Les fiançailles et pour Emmanuel Keita, c'était pour mettre sa tête un peu à l'abri, quoi. Vous comprenez? Mais son objectif même, ce n'était pas ça. Elle visait loin. Peter a vu clair dans son jeu. Donc Peter a mis barrière maintenant. Tu vois? C'est pourquoi ça n'a pas fait long feu. Ça n'a pas allé loin entre eux. Parce que le but d'Emmanuel Keita, ce n'était pas Peter. Emmanuel Keita visait loin. En tant que Peter a vu clair dans les yeux d'Emmanuel Keita là. Donc Peter maintenant a mis barrière. Tu comprends? Ça a commencé à mener des trucs bizarres entre eux. C'est ce qu'on a assisté sur la toile ici maintenant. Quitter dans mon direct. Voilà. Je suis pas ici pour m'amuser. Dégage dans mon direct. D'accord? Peter! Peter, c'est faux, hein? Peter! Emmanuel Keita n'est pas venu te draguer, hein? Non. Emmanuel Keita n'est même pas venu te draguer. Non, ça là, je ne suis pas d'accord avec toi. Vous avez fait votre plan, vous les soroïstes. Parce qu'elle a dit, boy là, pour vous là, elle est venue faire pour se faire remarquer. Voilà. Elle est venue faire ça pour se faire remarquer. Et vous avez profité de l'occasion pour venir vers elle. En ce moment, elle était fragile. Donc, elle a cédé. Mais pour elle... C'était pour aller voir le babachet. C'était pas pour rester avec toi. Là, au moins, tu es d'accord avec moi. C'était pas pour rester avec toi. Attendez, ça, je vais faire mon direct. Faut pas vous allez me mélanger. Donc, c'est ce qu'on a assisté et tout. Un coup, Emmanuel Keita. Ah, moi, je ne dis pas dans mauvais rêve. Hein. Je ne dis même pas dans mauvais rêve. Donc, quand ça s'est gâté entre Peter maintenant, avec... vous allez vous voir bloqué, hein. Moi, je bloque, hein. Je ne dis pas dans mauvais rêve même. Voilà. Ça dit, il y a des écalandais. Hein? Je ne vais pas dire tout le monde parce qu'il y a des gens quand même qui réfléchissent parmi vous. Il y a des gens qui sont très bêtes. C'est caca qui a la place de leur cerveau. Vous avez compris. C'est pas vous qui traînez mon nom dans vos différents directs pour dire que moi j'ai dit que j'ai la liste des gens que Myriam a payé pour insulter Emmanuel Keita. Quand vous dites mon nom là, c'est normal. Hein? Quand je viens établir la vérité, vous dites pourquoi j'ai dit le nom d'Emmanuel Keita. Je vais dire son nom aujourd'hui, je vais dire son nom demain. Tu n'es pas contente là. Il faut dégager de ma page. Je n'ai pas besoin d'aller payer billet quelque part pour dire elle son nom ici. Elle est qui? On ne va pas dire son nom. Quand vous partez dans vos différents, vous dites que Kadi a dit la liste de quoi. Je vous regarde, je regarde vos directs.
Tout ce qui est dans votre bouche là, c'est Myriam qui a payé les gens pour insulter Emmanuel Keïta. Ça veut dire que donc les gens n'ont rien à faire. Il faut payer les gens. Il faut payer. Il faut qu'on paye des gens pour venir insulter. Mais on a besoin de payer les gens même pour venir insulter Emmanuel Keïta. Hein? Hein? On a besoin de payer les gens pour venir parler d'Emmanuel Keïta. Hein? Donc, il faut vous calmer. Hein? Calmez-vous. Je suis en train d'éclaircir. Je suis en train de dire la vérité. Calmez-vous. Voilà. Demain, quand vous allez quitter dans mon direct là, quand vous allez faire votre direct là, avant de dire Kadi a dit là, vous allez retourner votre langue 7 fois dans votre bouche avant de dire mon nom. Est-ce que vous avez compris? Moi, il n'y a rien à foutre de vous. Hein? Je dis ma vérité et puis je quitte ici. Voilà. Est-ce qu'on se comprend? Tu ne veux pas regarder ma vidéo, tu dégages de ma page. Sinon, tu vas avoir ta... Tu auras ta part tout de suite là dans la paix du Seigneur. Ça veut dire que vous êtes impoli. Votre impolitesse là, ça n'a qu'à s'arrêter à mon niveau. Hein? Ah bon. Parce qu'on dit que vous êtes malade là. Donc vous êtes. Vous venez montrer aux gens que vous êtes vraiment malade. Aïe, c'est ma bande. Donc, on était où? Donc, ça s'est passé comme ça. Ils se sont séparés et tout et tout. On a vu tout ce qui s'est suivi, tout ce qui a suivi et tout. Comment on appelle ça? Les soroïstes maintenant sont fâchés contre Emmanuel Keïta. Vous avez compris? Les soroïstes ont compris maintenant que Go là même, c'est une Go à nuit. Ils ont commencé maintenant à titiller Emmanuel Keïta. Pour titiller Emmanuel Keïta, ils ne vont pas revenir déposer leur caméra. Pour titiller Emmanuel Keïta, ils vont faire sortir leurs petits moutons là, leurs petits chihuahuas là maintenant, pour venir attaquer Emmanuel Keïta. C'est ce qu'ils ont fait. Dans le comité là, il y avait plus de calendaires que tout le monde. La mauvaise là, plop-plonou, celle qui n'a même pas de dents là, Gargamel là, c'est elle qui est, c'est elle même qui, c'est elle. Parce que tous ceux qui soutenaient Emmanuel Keïta, ils ont tout fait pour mettre palabre, pour faire palabre avec eux dans le comité là, là-bas. Maintenant, ils proposaient de l'argent aux gens, fallait publier la photo de plop-plonou. Si on sait que tu es Ekaland, et que tu es de Ekaland là, ce que je dis ici là, si ceux qui m'écoutent là, si je suis en train de mentir, tu vas dire, Kadi, tu as menti. Moi, je ne suis pas une menteuse. Hein. Je vois les choses et puis je ne parle pas, ça fait deux. Ou je vais comprendre que c'est Myriam qui est en bas de tout ça là. Je vais vous montrer les preuves. J'ai les preuves ici. Je vous ai dit que Myriam et moi, on a tellement parlé. C'est ta mère qui a voulu, sale chienne. Je te bloque, imbécile. Dégage de ma page, imbécile que tu sois. Carrément. C'est ta mère qui est voleuse. Et puis on a cassé œuf sur sa tête au marché. Je propose du coup. Imbécile. D'accord? Enfin, je ne peux rien faire, mais toi, je vais te bloquer dans la paix du Seigneur. Voilà. Go à nuit. Je te bloque. Tu regardes ton nom, mais encore go à nuit. Hein? Toi et Assalé Pierre, je pense que c'est putain, non? C'est moi qui est en train d'insulter comme ça. C'est moi qui est en train d'insulter comme ça. C'est moi tu es en train d'insulter comme ça. C'est, je sais que tu n'es pas quitté du ciel pour tomber. Tu es né d'une maman. Je retourne ça à ta mère. C'est moi qui te dis ça aussi. Tu n'es pas tombé du ciel pour tomber. Assalé Pierre là, je retourne ça à ta mère. Oui, tu es sorti là-bas aussi. Tu es sorti là-bas. Oui. On n'a pas fait attention et puis tu es tombé. On t'est sorti de là-bas. Donc je retourne ça à ta mère dans la paix du Seigneur. C'est de ça qu'il est question. Pourquoi la vérité vous fait mal? Tu t'énerves pourquoi? Pourquoi la vérité vous doule? Tu sais très bien ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Ou bien je mens? C'est la vérité. Ah là. Tu sais très bien que c'est la vérité que je suis en train de dire ici. J'ai dit, je suis en train de bloquer les gens comme ça.
Je ne suis pas ici pour vous, hein. Voilà, je ne suis même pas ici pour vous. Je viens dire ma part de vérité. Maintenant, si vous ne voulez pas écouter, vous dégagez de ma page. Voilà. Je disais, donc déjà même, je vais te bloquer, espèce d'impoli sale chien que tu sois. Tu viens d'une maman aussi, tu viens d'une mère. Je te retourne ça dans la paix du Seigneur. Tu es trop fâché, tu sautes et puis tu cales en l'air. C'est de ça qu'il est question, carrément. Toi-même, ce que tu m'as dit là, je te retourne ça dans la paix du Seigneur. Chien, c'est moi qui dis ça. Imbécile. Clochard que tu sois. Moi, tu ne me fais pas peur. Hein? Oui, moi, tu ne me fais même pas peur. Voilà. C'est là maintenant. Et les calendaires qui m'insultent là, je ne suis pas ici pour vous. Oui, mon cœur, attends, j'arrive. Moi, je suis pas ici pour vous. Hein. Quand on vous parle là, ça rentre ici et puis ça sort de là. Vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit. C'est pourquoi tous les jours là, vous partez exposer votre soi-disant coup, l'on insulte. C'est vous. Vous, certains parmi vous là. Vous n'écoutez pas quand on vous parle. Je ne suis pas assise ici pour vous. Je veux établir la vérité dans la paix du Seigneur. C'est de ça qu'il est question. Oui. Donc, si vous voulez m'insulter là, je vous bloque dans la paix du Seigneur. Puis, je vais vous insulter au calme. Ça ne choque pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Plop-plop-nous. Elle avait raconté une histoire ici, rocambolesque, comme quoi Emmanuel Keïta avait pris elle, sa cuisinière, celle qui préparait pour elle. C'est ça. Elle avait raconté cette histoire ici. Quand vous regardez cette histoire-là, est-ce que ça vaut le coup de s'acharner comme ça sur Emmanuel Keïta? Je vais vous poser la question. Non. Elle a pris cette histoire pour charger sur sa tête. On ne comprenait pas, elle avait quel problème avec Emmanuel Keïta. Vous savez, moi, je viens dire la vérité ici. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Je dis ce que je pense dans la paix du Seigneur. Ce que je dis derrière toi, devant toi, je dis, tu ne peux pas me mettre dans bouteille. Voilà. Je dis toujours ce que je pense ici à Emmanuel Keïta, ça ne choque pas. Voilà. Mais je ne viens pas ici m'asseoir, fouiller dans sa vie privée. Qu'est-ce qu'elle a mangé, elle a couché, avec combien de gars. Les trucs vraiment, c'est que nous, toutes les femmes ont passé par là. Je ne suis pas comme ça. Je viens dire la vérité. C'est tout. Je ne suis pas comme vous. Hein. Donc, elle a commencé maintenant à s'acharner contre Emmanuel Keïta. Jusqu'à elle-même, je sais que l'argent, elle n'en a pas. Quelqu'un qui ne travaille pas, qui n'a jamais travaillé en France ici. Elle a été serveuse à quelques maquis, dans maquis de quoi là même là-bas. C'est Madame Akoun qui donnait de l'argent à Edwige à travers Myriam. Est-ce que vous comprenez? C'est Madame Akoun qui donnait l'argent à Edwige à travers Myriam. Vous comprenez? C'est là maintenant quand les gens ont commencé à s'attaquer à Emmanuel Keïta et tout. Elle était bien contente. Et un temps, ils ont dit aux gens de publier elle sa photo. Elle ploplo nous de publier sa photo. Ceux qui ont refusé là, ils sont allés leur donner de l'argent. Et ils ont publié sa photo. Même les écalandais, ceux qui disent qu'ils supportent Eka, ils étaient dans le comité là. Ils ont fait parler avec tous ceux qui soutenaient Emmanuel Keïta pour les chasser. Pour un oui, pour un non, on les chassait du comité. Juste parce qu'ils supportaient, ils étaient là pour Emmanuel Keïta. En tant qu'Emmanuel Keïta là, c'était la bête noire de Myriam. Myriam déteste tout ce qui est influencé, les jolies femmes, comme les Emma Loès, les quoi. Je vous ai montré ici. Qui est en train d'insulter les filles là, de Coclé et tout ça, c'est pas elle. C'est pas elle qui me parle de tout ce qu'elles font. C'est pas elle qui m'a dit qu'elle allait vagin dans son téléphone ici. C'est moi qui a dit. C'est moi. Vous avez entendu ici. Je ne sais pas pourquoi elle déteste. Parce que comme elle est bonne, je ne sais pas. En tout cas, elle ne les aime pas. Elle n'aime pas Emmanuel Keïta. Quand Emmanuel Keïta s'habille, elle va aller faire photo de son habillement. Elle va faire photo, capture d'écran. Elle va venir me donner. Quand elle fait ça là, elle prend ça, elle vient me donner. Plusieurs fois, elle a fait des posts pour moi de sortir contre Emmanuel Keïta. Je ne suis pas sortie. Donc, en voyant cette mauvaise là s'acharner contre Emmanuel Keïta et d'autres personnes, j'ai compris déjà que c'est elle qui était en bas. C'est elle qui était en bas. Et c'est elle qui a pompé cette ploplonou là. C'est elle. Parce que quand ploplonou ne veut pas une personne là, automatiquement, Madame Akoun et puis Myriam détestent cette personne. Donc, il faut sortir les chihuahuas. Consomme ma puce. Il faut sortir les chihuahuas maintenant pour s'attaquer à ces personnes là. Est-ce que ce que je suis en train de dire là, c'est faux? Ce que je suis en train de dire là, est-ce que c'est faux? Hein?
Ce que moi, je suis en train de dire là, ici, là, est-ce que c'est faux? Ça, là, c'est WhatsApp de qui, ça? Ça, c'est WhatsApp de qui? C'est faux, attendez. Ça, là, c'est WhatsApp de qui? Vous avez bien vu Myriam. J'ai fait la capture d'écran pour vous montrer. C'est elle qui m'a envoyé ça. Le jour qu'Emmanuel Keïta s'est habillé, ça, là, c'est elle qui a fait ça pour m'envoyer. Au niveau de son sexe, là, elle avait fait un rond. Vous avez compris? Comme elle avait fait pour un blogueur là, sur la tache de son bras là. Elle, c'est comme ça elle est. Vous avez compris? Je vous ai dit, j'ai tellement d'audio de cette dame là. Ça va venir un peu. Où elle est en train de critiquer Emmanuel Keïta là. Tout ça là, ça y est là, je vais venir avec ça. Moi je ne viens pas pour parler parce qu'il faut venir parler. Quand je vous promets quelque chose, je viens avec ça. Vous avez compris? Si Emmanuel Keïta, les gens se sont acharnés sur Emmanuel Keïta, les gens du comité se sont acharnés sur Emmanuel Keïta, entends-la, elle avait sa main dedans. Parce que c'est elle qui finançait le comité. Oui. A Poutou et puis Edwige, là, c'est elle qui les pompait. Entends, A Poutou était mal élevé en avant, il était un poli comme ça, là. C'est la dame, là, qui était en bas. Quand Poutou vient s'asseoir, il manque de respect à ses aînés là. C'est elle qui pompait à Poutou. C'est moi qui vous dis ça. C'est elle qui pompait à Poutou et puis plop-plonou. C'est moi qui vous dis ça. C'est moi qui dis dans mon verre. Vous avez compris? Moi, je ne suis pas ici pour mentir sur les gens. Ils peuvent continuer de mentir sur moi, Kadi. Ils peuvent continuer de mentir, inventer les choses sur moi. Mais quand je parle avec les preuves. Ça, c'était dans mon iPhone. C'est moi qui ai fait la capture d'écran pour vous montrer. Ça là, la photo d'Emmanuel Keïta cherche quoi? Ici, dans notre causerie. Ça cherche quoi? C'est pas elle qui m'a envoyé. C'est pas son nom qui est là. Attendez. C'est pas son nom qui est là. Myriam. C'est pas elle. C'est pas son nom qui est là. C'est pas son nom qui est là. Myriam. C'était quand? Le 13 avril. Voilà. C'est elle qui m'a envoyé. C'est elle qui m'a envoyé. Voilà ça. Ça, c'est notre WhatsApp. J'ai fait la capture. J'ai fait capture d'écran pour vous montrer. Parce que toutes nos conversations sont dans ce téléphone-là ici. Vous avez compris? Si vous dites qu'elle a payé les gens pour insulter Emmanuel Keïta, ou bien, c'est pas Emmanuel Keïta seulement même. Je dis oui. Parce que c'est elle qui finançait cette ploplonou-là. Quand Ploplonou vient s'asseoir pour dire que mon père est pressé, je suis en direct, il faut le laisser et après je vais te mettre. Quand Ploplonou vient s'asseoir pour dire que mon pied est sur caillou, elle parle comme si sa bouche même n'a pas de frein. Elle parle, elle vient manquer du respect aux gens. C'est Myriam qui était derrière Ploplonou. C'est Myriam qui finançait Ploplonou. Et c'est elle qui a continué toujours à la financer. Oui. Quand elle t'envoie une photo de quelqu'un ou bien elle t'envoie... Et quelque chose. Je vous ai montré ici que c'est elle qui faisait mes posts. C'est elle qui faisait mes posts pour sortir sur les gens. C'est elle qui faisait tout. C'est elle-même qui mettait les paroles dans ma bouche. C'est Emmanuel Keïta qu'elle ne pouvait pas faire ça. Elle va aller chercher photo d'Emmanuel Keïta que nous tous on a vu sur la toile là. Elle va chercher ça pour venir me donner. C'était pour faire quoi? De vous à moi. Elle va chercher photo d'Emmanuel Keïta là pour m'envoyer là-haut. Et puis la braiser là, c'était pour quoi? C'était pour que je sorte sur Emmanuel Keïta. C'était pour que je sorte sur elle. Voilà pourquoi leur comité là n'est pas allé quelque part. Parce que ceux qui étaient dans le comité là, la plupart là, c'était les gens qui supportaient Emmanuel. Faut me laisser ça. C'est eux qui supportaient Emmanuel Keïta. Donc pour un oui, pour un non, Ploplonou va venir s'asseoir parce que Myriam était juste derrière elle pour la gonfler. C'est pourquoi elle n'avait pas de respect pour les gens. Elle parlait au hasard comme elle voulait. Même cette tantes, même les femmes qui l'ont soutenue, même les mamans qui l'ont soutenue, elle était affrontée, elle n'avait pas de respect pour les gens. Oui, vous avez Myriam, elle est très manipulatrice. Elle va pas te dire, il faut sortir si cette personne est. Elle va te parler d'une manière quoi. Vous avez écouté tout ici, je ne suis pas en train d'inventer. Jusqu'à les papiers de Apoutou, tout ça là c'est elle. Tout ça là c'est elle. C'est elle qui a donné l'occasion à cette Ploplonou de manquer de respect aux gens. Si elle vient s'asseoir aujourd'hui, on lui pose la question, qu'est-ce que Emmanuel Keïta t'a fait là? Elle ne pourra même pas dire exactement. Toujours la même histoire.
toujours, elle a pris ma cuisinière. Donc, voilà, toi comme ça, là, tu peux avoir cuisinière. Si ce n'est pas Myriam qui payait cette personne pour toi. Toi comme ça, là, tu peux avoir cuisinière où? Hein? Hein? Elle va se lever. Elle va se lever comme ça, prendre photo de quelqu'un. Si elle veut que tu classes cette personne-là, elle va se lever comme ça, prendre la photo de la personne et puis elle va commencer à se moquer de cette personne. C'était le travail de Myriam. Elle l'a fait plusieurs fois ici dans mon téléphone. Elle a pris photo des gens. Elle, même sa fille, même Ploplonou, même là, elle n'a même pas manqué de la traiter. Même ses photos bracata, elle a envoyé tout. Elle a insulté sa fille. Donc, c'est Emmanuel Keita, elle ne peut pas insulter de vous à moi. C'est Emmanuel Keita, elle ne peut pas critiquer. Elle a critiqué Emma, Coco Emilia, Nathalie Kouwa et Flore de Lille. Tout le monde, je vous dis tout le monde. Même coupé tête pour jeter. Tout le monde, il n'y a pas quelqu'un. Même Apoutou, sa maman, Madame Akoun. J'ai dit tout le monde, elle n'a pas épargné quelqu'un. C'est votre Emmanuel Keita, elle ne peut, pas critiquer. Non, sérieux. Votre tête fâchée là, moi je n'en ai rien à foutre de ça. Je vous dis ça en même temps. Votre tête fâchée que vous mettez sur mon direct là, prenez ça et puis foutez là où vous pensez. Hein? Voilà. Donc là, quand vous venez vous asseoir, vous ne savez pas ce qui se passe là. Il faut bien réfléchir. Quand on vous parle là, surtout les écalandais, quand on vous parle là, vous, tout ce qui vous intéresse, faut pas, on va dire le nom d'Emmanuel Keita. Mais vous, vous partez vous asseoir sur vos pages là-bas, vous dites nom des gens. Comme si le nom d'Emmanuel Keita est mieux que le nom des autres. C'est parce que vous passez votre temps pour dire Kadi a dit la liste, Kadi a dit. Je suis venu établir la vérité. C'est tout. Je ne suis pas ici pour défendre votre Emmanuel Keita. Voilà. Chacun porte sa croix, je vous ai dit. Ce que je sais, c'est ça qui est là. Donc là, si vous voulez ouvrir vos yeux, ouvrez vos yeux. Si vous voulez fermer, fermez. Ça, c'est à vous de voir. C'est de ça qu'il est question. Vous avez compris? Tu me demandes de donner les audios de Yves Hidero. Je t'ai dit que j'ai des audios de Yves Hidero. Toi, tu es qui même? Tu me demandes les audios de Yves Hidero. Tu penses que moi, je vais parler avec Yves Hidero? Je n'ai jamais parlé avec Yves Hidero. Même si j'ai les audios, je vais te donner. Toi, tu es qui? Dans leur comité là, ils ont payé des gens. Ils ont payé des gens pour quitter derrière Emmanuel Keita. C'est moi qui vous dis ça. Ils ont payé des gens faibles pour quitter derrière Emmanuel Keita. Ils ont payé même des gens même. Juste parce qu'ils ont dit qu'ils ne vont pas publier la photo de Ploplonou. Parce que ça serait une trahison pour Emmanuel Keita. Ils sont allés les blaguer avec Jeton. Ils ont accepté. Ils ont accepté maintenant prendre l'argent et puis ils sont venus publier la photo de Ploplonou. Ça dit Ploplonou là, ils veulent concurrencer. Je vais vous dire les buts. Hein. Myriam là, elle veut, comment on appelle ça? Son but là, c'est moi, je suis venu gâter ça. Son but là, c'était de concurrencer Emmanuel Keita. Ça dit, elle voulait mettre Ploplonou même niveau que Emmanuel. Ça dit, tout ce que Emmanuel Keita avait fait là, elle veut faire ça aussi pour Ploplonou. Ça dit, elle veut mettre Ploplonou au-dessus d'Emmanuel Keita. Pourtant, il n'y a pas match même. Faut détester Emmanuel Keita comment tu veux. Emmanuel Keita est Ploplonou. Hé, hey, maman. On ne peut même pas dire c'est le jour et la nuit même. Hé, hey, c'est rien. Ça s'affroule. Donc là, elle gaspillait son argent pour rien. Elle gaspillait son argent pour rien. Voilà. Ploplonou, elle sait pourquoi elle s'acharne sur Emmanuel Keita. Elle sait. Mais avec le temps, je vais vous donner le reste. C'est le travail de Myriam, elle est en train de faire. Hein. Je ne sais pas Myriam, elle a quoi. Peut-être qu'elle a appris que Soro Guillaume est fan d'Emmanuel Keita. Je ne sais pas. Parce qu'elle, c'est son ancien tison. Donc, à l'époque, là, elle détestait. Elle, en tout cas, jusqu'à présent. En tout cas, ça n'a pas encore passé. Notre dernière conversation, c'était le 31 août. Maintenant, je ne sais pas si détestation... là. Français, je sais pas si détestation là est toujours là ou bien c'est parti. En tout cas, elle déteste Emmanuel Keita. Je sais pas pourquoi. Peut-être que elle a compris que du coup, elle dit c'est pas dans ça là. Et il y a retrouvé un de ses voix ici. Elle dit que c'est pas dans ça là. Puis t'es allé soulever
Emmanuel Keita. Vous jouez avec moi. Hein? Ça le fait mal parce que vous qui ne comprenez pas les choses, moi j'ai causé avec Myriam. Il y a beaucoup de choses Myriam m'a dit. C'est moi qui vous dis ça. C'est pourquoi quand je voyais Emmanuel Keita tout ému parce qu'on a fiancé, il dit, toi tu sais pas dans quoi tu te mets. J'étais assise et puis il regardait. Quand ça s'est gâté là, je suis venue faire vidéo ici et puis je me suis moquée d'elle. Aïe. Elle savait pas dans quoi elle se mettait. Si Emmanuel Keita regarde ma vidéo, elle va dire ce que Kadi dit là, c'est vrai. Hmm? J'ai vu. Voilà. Donc là, il y a beaucoup de blogueurs qui s'acharnent sur Emmanuel Keita. C'est pas parce qu'ils détestent Emmanuel Keita. Parce que ils font ça parce que c'est les gens qui les demandent de le faire. C'est tout. Ils vont dire que Kadi, tu mens, tu mens. Mais si on est en train de laver cette saleté-là qui est propre, nous sans dents là, pour vous commencer à insulter Emmanuel Keita pour rien. Juste quand d'autres personnes viennent dans le comité là-bas, quand tu es Emmanuel Keita seulement, là, pour un oui, pour un non, on te retire du groupe. C'est-à-dire, on fait tout pour que tu sors du groupe. Parce qu'il faut être là pour Ploplonou. Tu ne peux pas être là pour Emmanuel Keita. Pourtant, avant que les gens ne viennent dans leur comité Mbarakata, là, ils n'ont pas dit aux gens, si tu es calendaire, on ne te veut pas. Hein. Non, ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit, tout le monde peut venir. Mais quand ils sont venus là, quand les gens sont venus là, c'est Emmanuel Keita seulement qui était dans la bouche là-bas. Point oui, point non, Emmanuel Keita. Point oui, point non, Emmanuel Keita. Les voix, ils sont encore là-bas. Les voix, ils là, sont encore là-bas. Ceux qui étaient dans le comité avec nous là, ils savent que je ne suis pas en train de mentir. Ils savent. Ils savent que je ne suis pas en train de mentir. C'est pourquoi Apoutou s'est levé un jour ici pour venir manquer de respect à Emmanuel Keita. Parce que c'est Myriam. Quand Myriam est derrière toi, tu deviens fort. C'est-à-dire que tu n'as pas peur de quelqu'un. Parce qu'elle vient te rassurer pour dire que le gouvernement, elle est avec le gouvernement, on ne peut rien te faire. C'est comme ça. Quand elle est derrière toi, là, tu deviens fort. Tu n'as pas peur de quelque chose. Mais elle ne sait pas que moi-même, là, j'enquêtais sur elle. Donc, elle ne pouvait pas m'avoir. Voilà. Je faisais le contraire de ce qu'elle me demandait. Tu viens me donner les papiers de ton fils, soi-disant fils qui est Apoutou. Tu me critiques, ploplonou. Elle faisait pour tout le monde, hein, sans exception. Mais moi, je venais sur les gens que je soupçonnais d'être des souroïstes, des mauvaises personnes. C'est sur eux, moi, je m'acharnais. Venez me dire, je me suis acharné, Ziggy. Apoutou, je me suis acharné sur lui. Ça, je le dis et j'assume. Ploplonou, même jusqu'à l'heure, je m'acharne encore sur elle. Et j'assume. Oui. Voilà. Quand tu t'en prends photo de ta camarade femme et tu viens me donner là-haut, tu te moques de sa photo, tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je fasse quoi? C'est pas pour me dire, c'est pour me dire au sens figuré, sors, tu vas la clasher. Ou elle fait poste. C'est pas ça? Hum? C'est pas ça? Il y a beaucoup de choses qui se passent, vous ne savez pas. Hein? C'est pourquoi vous venez déposer votre caméra, vous parlez de tout et n'importe quoi. Là. Moi, je suis assis, je vous regarde. Je suis assise là, je vous regarde, vous me faites rire. Elle va sortir quelque part là-bas pour venir dire que c'est faux. Wallahi Bilay, c'est pas faux. C'est Myriam qui était derrière vous. Voilà, aujourd'hui, on est en train d'attacher Myriam. Ah, Poutou même, il est incapable même de déposer sa caméra pour venir parler. Lui-même, il est incapable. Parce qu'il a pris l'argent. Il a pris l'argent de la femme là. C'est l'argent de la femme là qu'il a lavé comme ça, il brille comme ça. C'est elle qui a ouvert les portes là des ministres de quoi, les grands types du pays là, à Apoutou. Pour qu'il ne devienne plus impoli encore envers ses aînés. C'est ça, c'est elle. Elle ne peut pas dire le contraire. J'ai joué des voix ici, si vous avez entendu. Voilà. Avant de venir vous asseoir pour défendre une personne là, il faut savoir d'abord si la personne a été correcte. Il faut chercher à comprendre pourquoi Kadi s'acharne sur cette personne là. Moi je suis en train de vous ouvrir les yeux. Mais si vous ne voulez pas ouvrir vos yeux, là, restez dans vos bêtetés. Moi, je n'en ai rien à foutre. Vous qui sortez pour parler, là, mais on ne vous regarde même pas. Qui vous connaît même? Qui vous connaît? Personne. On ne vous connaît même pas. Quand vous faites votre direct, là, tant que vous ne mettez pas le nom de Kadi, là, qui va venir vous regarder? Vous sortez les audios depuis février.
Entre Myriam et moi, là, je suis toujours dans avril. Vous avez vu la date, la photo d'Emmanuel Keïta. Je suis toujours dans avril, mars avril. Tête fâchée, prenez votre tête fâchée, la placez là où je pense. Moi, je m'en fous de vous. Hein. Ah oui, 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 oui. Moi, je m'en fous de vous. Moi, je m'en fous de vous. Faut te coucher, princesse. Hein? Maman. Moi, je m'en fous de vous. Vous m'intéressez même pas. Il faut... Quand vous dites que moi, je suis une mendiante là, vous êtes plus mendiant et mendiante que moi. Parce que vous, on vous donne l'argent pour aller faire quelque chose, pas te faire. Moi, je faisais le contraire de ce qu'elle me demandait. Je ne suis pas venue m'asseoir pour m'acharner sur la vie d'Emmanuel Keïta. Depuis que vous me connaissez, vous m'avez déjà venu m'asseoir, la rabaisser d'une manière. Non. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, je lui dis, il ne faut pas laisser tout le monde va venir parler à ton nom. Parce qu'ils vont salir ton image. Et quand il y a des, y a des gens qui étaient avec toi et puis sont partis, séparez-vous dans de bons termes. Ne vous séparez pas en queue de poisson. Et là, c'est parce qu'il y avait l'enfant malade de Philo et tout. Je suis sortie pour dire, il ne faut pas laisser les gens vous manquer de respect à un enfant qui est malade, n'a pas acheté. Voilà ce que je dis. Moi, je viens donner les... Et vous savez, ça, c'est la vérité. On est tous des femmes. On est tous des femmes. Ça, ce n'est pas le but de mon direct ce matin. Mais c'est pour vous dire... Tant que Myriam... Imbécile, toi tu me demandes qu'est-ce que Myriam m'a fait. Ah, tu me poses la question, c'est que Myriam m'a fait. Ah, d'accord. Ok. Myriam m'a rien fait. J'ai décidé de l'exposer dans la paix du Seigneur. C'est de ça qu'il est question. Ça va, ma réponse te va. Hein? Ma réponse te va. Je ne suis pas ici pour chercher les abonnés d'Emmanuel Keïta. Mes astuces me suffisent. Mais quand il y a la vérité, on n'a qu'à avoir le courage de dire la vérité. Vous avez pris de l'argent avec Myriam pour faire le sale boulot de Myriam. Voilà. Moi, elle sait pourquoi elle me donnait de l'argent. Parce que j'avais des preuves qui pouvaient la condamner chez le gouvernement et tout ça. C'est ça. Et j'ai pris un bon cœur sans regret. Même demain, si elle vient encore me donner, je prends un bon cœur dans la paix du Seigneur. C'est de ça qu'il est question. Par contre, vous, vous avez pris et puis vous êtes devenu impoli. Voilà pourquoi cette ploplonou est venue s'asseoir sans gêne pour dire que Makoso couche avec son enfant. Voilà pourquoi cette ploplonou est venue s'asseoir pour dire sans gêne. Pour dire que Makoso couche avec sa mère. Parce que c'est Myriam qui avait mis ça dans sa bouche. Et puis Myriam lui a dit, faut dire ça, ils ne pourront rien te faire. Moi là, je mange avec le président de la République. Moi là, je fais tout avec le gouvernement. On ne peut rien te faire. On ne peut rien te faire. Personne ne peut te faire quoi que ce soit ici. Voilà, moi je suis là. Je peux vérifier même pour voir s'il y a une plainte pour toi. Faut venir dire ça. C'est elle qui l'encourageait. Sinon, elle ne peut même pas venir s'asseoir et puis dire des bêtises comme ça et puis ça va passer crème. C'est moi qui vous dis ça. Si vous dites que je mens, quelqu'un d'autre n'a qu'à sortir quelque part, venir dire des choses comme ça très graves. Makoso, il est ce qu'il est. Lui aussi, là, il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Mais ça, là, ça concerne son enfant. Sa fille n'a rien à voir. Et ça, c'est... C'est bon? Laisse. Excusez-moi. Mais attends, attrape ici. Ma
Alors viens ici, viens ici. Viens là. Doucement, 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 doucement. Tu restes tranquille. Excusez-moi, oh. Voilà, je suis là. Vous comprenez? Vous. Maman? Oui, ma fille. Assieds-toi sans, s'il te plaît. Amène la clé. Fais chiche dans la chambre. Va là-bas. Va venir m'emmerder dans mon direct. Tu as déjà mangé, tu t'en vas. Tiens tes chaussettes si tu veux porter. Tiens. Je m'en fous la beauté. Vous voyez, parce que c'est Madame Akoun qui était la secrétaire, je peux dire que c'était la secrétaire de Edwige auprès de Myriam Cissé. Parce que Myriam Cissé donnait l'argent à Madame Akoun pour venir donner à Edwige. Et puis, Apoutou, c'est elle-même sa bouche qui l'a dit. C'est pas moi qui a dit, hein. Voilà, c'est pas moi-même, hein. C'est elle-même sa bouche qui l'a dit. Regardez, mon téléphone là, c'est rempli comme ça. Ça là, c'est rempli. iPhone là aussi, c'est rempli. Que je suis venu chercher l'enfant chez les Écalandais. Hé, hey, toi, tu me connais mal. Moi qui a dit. Moi qui a dit même. Avant de commencer, je vous ai dit ici, je n'ai pas besoin des Écalandais. Tu comprends? Mais je viens dire ma part de vérité. Et je vous ai montré ici. T'as compris? Ils sont pas bêtes. Tu penses que les Écalandais là suivent les gens comme des moutons? Toi, Jessie, il faut quitter dans mon direct ici. T'as compris, non? Espèce de bipolaire que tu sois. Kadi et le Kumachama, voilà, c'est ma nouvelle page. Merci pour les titres. Tu viens dans mon direct et puis tu viens dans mon direct et puis tu te fais Jean-Jean. Eh, c'est moi ici dans mon direct ici. Moi, je te bloque dans la paix d'ici, imbécile. Donne-moi quelqu'un. Au TBTB quelque chose, il y a un nom là même. Ton nom est compliqué, on dirait ton visage. Tu es bête, c'est moi qui te dis ça. TB quelque chose là, tu es bête. Voilà, tu es très bête. C'est moi qui te dis ça. C'est vous comme ça là. Ça dit, j'ai quel intérêt à venir m'asseoir pour mentir? Ouais. Princesse. Amira. Viens ici. Tu étais où? Il t'a dit qu'il te relonge. Demain, tu vas à l'école, tu es guéri. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir ici. Dépêche-toi. Demain, tu t'amènes à l'école. Allah Kassimidam, Inch'Allah. Demain, tu vas à l'école, tu es guéri. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Hein? Vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, je suis venu dire ma part de vérité. Voilà. Je suis venu dire ma part de vérité. Et ceux qui me suivent là, ce n'est pas des moutons, c'est des gens qui ont une tête pour réfléchir. Ce n'est pas parce que Kadi est venu parler. Ils vont dire oui, Kadi est venu parler. Tout le monde sait, quand je viens m'asseoir, je dépose les preuves. Tout à l'heure, je vous ai envoyé, non? C'est elle qui m'a envoyé. Ce n'est pas moi, c'est elle qui m'a envoyé. Quand elle t'envoie comme ça là, c'est pour venir faire le sale boulot. Voilà ça. Je veux vous dire encore. Ah, demain, elle va à l'école, elle est guérie. Parce que celle-là. Quand il a la maison là-bas, c'est grave. Voilà. C'est pas moi, hein. Attendez. Hi. Téléphone a aussi fait zigzag comme ça, Kissia. C'est quand Plopronou vient s'asseoir et sa grande gueule là-bas, il veut se comparer à des gens là. Regardez. Voilà ça. C'est pas moi, des. Attendez. Hi. Photo là aussi, des. Ça là, c'est moi. Hein? C'est pas son nom qui est là. C'est pas notre causerie. J'ai fait capture d'écran. Voilà. Voilà la date même. 13 avril. Voilà. Donc, j'ai quel intérêt à mentir? Je vous demande.
Moi, j'ai quel intérêt à venir m'asseoir pour mentir? Lui, il a pris l'argent. Lui, là, il fait quoi pour rien? Il fait rien pour rien. D'accord? Donc, ce qui est sûr, plop-plop-nous, Myriam t'a donné de l'argent pour faire le sale boulot. Comme DS, Poupée Gonflable a dit, quand toi tu donnes de l'argent aux gens là, c'est pour faire du sale boulot. Poupée Gonflable a dit, oh, c'est pas moi, oh. Poupée Gonflable a dit, C'est ce qu'il m'a dit de sa bouche. Mais je ne sais pas. Il dit que c'est les Makusu là qui ont menti sur lui avec ça. Que c'est faux. Moi, c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Il est sur Louis. Celui que je sais, que lui-même il a dit de sa bouche, c'était Chidje. Non, mais lui, c'est tout les Masama, il a dit ici. Parce que. Tu sais pourquoi il a dit ça? Hein? Tu sais pourquoi il a dit ça? Non. Ah, d'accord. Moi, je sais pourquoi il a dit ça. C'est un coup de l'argent. Voilà. Parce que comme toi, tu as dit que moi, je suis sur risque, je paye des sous-risques. Je sais pourquoi il a dit ça. Moi, je connais trop Jesse. Moi, je connais beaucoup de blogueurs, même si je ne connais pas. Il a dit ça parce que, voilà, il pense que tu vas rentrer en contact avec lui pour lui donner de l'argent. Non, et puis comme tu as dit que j'ai l'argent, voilà, que je donne l'argent, et que, après, tu es souris, ça, qu'elle fiche. Et ça connaît ça que je vais donner l'argent. Et qui sait qu'elle vit, c'est dans quoi ils sont dedans. En bas, sur la base de la confiance est grande. Oui, tu sais qu'Amira a appelé Edwige. Elle m'a dit que c'est faux qu'ils sont allés manger au restaurant qu'ils ont rencontré par hasard. Moi, elle te dit, grand sœur, où je suis assis là, les dossiers qui sont dans ma main là. En fait, mon papa m'a toujours dit, quand tu viens dans un milieu, il faut te faire bête, bien comprendre les choses. C'est ça. C'est ce que j'ai fait. Ouais. Quand je te dis que le comité là, c'est pas un comité, c'est comme nous, parce que tous les gens. Oui, attends, je vais faire mon travail, ma puce. Mais j'ai dit, on est sous la confiance. Aïe, on est sous la confiance d'elle. Maintenant, donc, on va te rappeler. C'est que sur le groupe, vraiment. Non, on est sous la confiance. C'est que sur le groupe, il est bête. Quand il voit, vous tout bien, il peut faire quoi dans la politique? Non, c'est mais pas il proteste toi. T'as mis ceci, les gens, qui ont la voix qui porte, comme les. Comment je vais les appeler même? Il y a des RATP qui parlent bien là. C'est les LHB qui est sur le guion, on va les prendre. Elle veut me mettre dans le flanc, il y a un flanc. Quand c'est elle qui est en bas. Tu l'as pas compris. Il prend celui-là, il peut faire quoi? Ah, pour toute sa voix portée. C'est vrai qu'il est bête, mais sa voix porte. Mamie, il faut arrêter ça. Sa porte où? Sa porte. Sa voix porte, mais elle vit, elle est cabrimo. Les gens comme ça, souris, aiment très bien. Les cabrimo, là. Côté sera en cognon, il n'aurait rien à faire. Donc, il les prend pour faire quoi? Ils peuvent convaincre qui? Non, mais même ils sont Peter beaucoup, qui était dans leur groupe, là, mais il n'a pas quitté. C'est pas là-bas, il a quitté pour aller faire Emmanuel qui était là. Même Peter à Salé qui était dans leur groupe là. C'est pas dans ça là, il a quitté pour aller prendre Emmanuel qui était là. Qui ment? Que parce qu'il a défendu quelque chose, que parce qu'il est venu défendre. Je suis une menteuse. C'est, moi, je suis une menteuse. Regardez-les là-bas même. Toi, Jessie, j'ai bipolé la dagbolo. Je ne sais pas qui m'envoie les têtes fâchées. Ah, les têtes fâchées, blala, qu'on a bansané. Myriam même sait. Elle sait. Myriam même sait. Je ne suis pas en train de mentir. Vous avez entendu ici, vous les écalandes. C'est elle qui a cru qu'on était dans... Que parce qu'elle a défendu... Elle a défendu, parce qu'il a défendu Bob Lee. Il a défendu Emmanuel qui était face à Bob Lee. Hein? C'est pas dans ça là. Hein? Peter a quitté dans l'air Soroïs là pour aller prendre Emmanuel Keita. C'est sorti de ma gueule. Non, question. C'est sorti de ma gueule. Hein? C'est Nina qui envoie les têtes de mort. Narina. Laissez Narina, elle est malade. Rien à faire. Donc, ils les prennent pour faire quoi? Ils peuvent convaincre qui? Non, mais ils même Peter qui était dans leur groupe, là, mais il n'a pas quitté. C'est pas là-bas, il a quitté pour aller faire Emmanuel qui est là.
Toi, au lieu de venir t'asseoir, insulter ma mère là, comme si tu es tombé du ciel. Tu es quitté dans le même trou là, donc tu la fermes. Regardez-moi un imbécile comme ça. Un vieux con comme toi, tu as venu t'asseoir pour insulter maman des gens. Chien va, c'est moi qui te dis ça. Toi, Salé qui m'a insulté, c'est à Salé Pierre, quoi, quoi, là. C'est de toi que je parle, imbécile que tu sois, chien va. Voilà. Quand il est venu m'asseoir pour répéter la même chose que tu as dit, je retourne ça à ta mère dans la paix du Seigneur, sachant pour imbécile. C'est moi qui te dis ça. Tu me fais pas peur. Regarde-moi un chien comme ça. Si c'est pas Emmanuel qui est quand même qui garde son nom, qui veut sortir à un gars gigolo comme ça? Toi, tu as exposé une malienne ici en Belgique, ici. Toi, n'importe quoi. Didi, c'est... Donc, il les prend pour faire quoi? Ils peuvent convaincre qui? Non, mais ils même Peter beaucoup, qui était dans leur groupe, mais il n'a pas quitté. C'est pas là-bas, il a quitté pour aller faire Emmanuel qui est allé. Eh, Anna, bonjour. C'est qui? Anna, je lui fais bonjour. Didi, c'était un C. Anna, bonjour. Moi, quand il lui a demandé, elle m'a dit non, qu'ils étaient allés manger avec les Conan, Carole, les Coco, quoi, les gens, tout, qu'ils ont été mangés. C'est faux. Et que ce jour-là, ils se sont croisés par hasard au restaurant. Et qu'ils ont fait photo. C'est ce qu'elle m'a dit. Alors, quelqu'un qui est venu vers toi, qui veut te marier, qui va te fiancer, dès que vous parlez là, depuis le début, il commence à t'enregistrer. Il faut te poser la question. Il était en mission. Il n'y avait pas d'amour. C'est elle qui pensait qu'il y avait l'amour. On est venu me dire que quoi ici? Parce qu'il est sorti pour défendre. Il est sorti pour défendre Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta avait besoin de lui. Il sait pourquoi il est venu vers elle. C'est moi qui te dis ça. Oui, ça là, c'est votre patronne. Tu connais très bien Myriam. Oui, il n'y a pas un soliste qui ne connaît pas celle-là. Vous la connaissez très bien. Vous savez pourquoi vous êtes venu vers elle. C'est ça que je suis venu dire aux gens ici. Tu es fâché, tu vas venir insulter. Tu vas venir m'insulter. Je pense que tu es mieux que qui même. Toi qui enregistres tous les ministres, tu enregistres tout le monde là. Je vais enregistrer aussi votre patronne et puis je vais l'exposer. C'est ce qu'ils sont en train de faire dans la paix du Seigneur. Tu es fâché, il faut sauter du cal en l'air. Je vous ai dit, les soloïstes là, c'est des maudits. C'est moi qui dis ça. Maman. Ma amiable, elle est appelée Edwige. Quoi, Edwige n'a qu'à faire quoi? Il a appelé Edwige, je ne sais pas. Parce que les soloïstes là, je considère comment ils fonctionnent. Si tu n'es pas avec eux, là, ils t'appellent jamais, jamais. Ils ne tentent même pas. Ben oui. Mais lui, ils n'hésitent pas du là. Non, ils vont parler en français. Ils parlent français. Elle veut me mettre dans le flot. On ne comprend pas son français. C'est-à-dire, elle veut me mettre dans le flot. Elle veut moi, c'est esprit plus qu'elle. Il a dit, mais je peux faire quoi? Dis-moi, entre nous, en confiance, c'est pas que je connais pas entre les Brésiliens, ouais, quelqu'un. Voilà, c'était ma fille. Pas. C'est parce que je ne veux plus, j'ai pas de problème avec elle. Voilà, mais d'après toi, entre nous, elle peut faire quoi? Je sais pas. Dans la politique. Ils savent pourquoi ils ont contacté Ezich. Ils savent. Parce qu'il y a vu trois souris qui ont venu commenter dans la vidéo de Ezich. Je suis allé voir sur les pages. Mais c'est ça moi, il traquait les souris, je ne sais pas. Vois, il traquait les souris d'elle, mais il ne faisait pas savoir. Peut-être que là. C'était toujours dans les mêmes plans. De toute façon, ils ont envoyé ça. C'est moi, ils sont en train d'inquiéter, de chercher. Ah, elle dit on tu vois pas ça aussi comme ça. Moi, je vois ça comme ça. Tout ça, là, c'est contre moi. Hein? Ouais. Tu penses que les messages sont véhiculés à qui faisait sortir ça? Tu n'as pas dit Eddie, t'es exposé? Oui! Tu n'as pas vu comment Edwige t'a exposé? Elle dit hein, que c'est Soro Guillaume qui a envoyé Edwige. Même quand tu fais cadeau à Edwige, elle dit merci, merci. Elle veut me mettre dans flocon et flocon D. Merci, n'a pas sorti de sa bouche. Elle veut me mettre dans flocon et flocon D. Elle dit que. Quand ils ont. Heureusement que je l'ai vu une fois, c'était le jour de l'hôtel. Même si tu l'as vu une fois, mais tu l'as donné un temps. Mais elle peut me tuer! Elle vit, peut la tuer. Elle vit, vient vers toi quand elle a besoin de toi. C'est ce que j'ai dit. De la même manière que DS a réussi là. Peut-être que c'était ça le plan d'Edwige. Mais comme elle et moi n'a pas réussi à me faire, tu vois, comme je causais, ou bien comme je causais avec DS là. Et tu sais qu'on n'a jamais causé comme ça.
Il n'y a jamais eu ces causeries entre nous. Viens, dans ma idée, la mire, je fous. Il n'y a jamais eu ces causeries entre nous. Wow. Ah, hein, faut aller chauffer, c'est bon, tu vois. Jessie, je te garde mon direct. Wallah, je vais te bloquer. Hey. Regarde mon direct. Dans la paix du Seigneur. Même la voiture d'un coup, c'est DS qui a mis ça dans ma bouche. J'ai dit, mon cerveau. Je t'ai tapé, je dégage. C'est vous qui m'avez appris qu'il y avait une nouvelle voiture qui avait fait une vidéo. Moi, je n'étais même pas au courant. Amène la télé, vous venez nous montrer en côté. Je n'étais même pas au courant. Demain, tu vas à l'école. Je t'assure, je n'étais pas au courant. Bonjour Kadi, il est voir ma soeur Amal. Amine, Amine, Amine. Il ne sait pas où voiture est sortie. Amine, grand frère. Ah, c'est toi, c'est ton nom, elle a volé. Alors que je t'assure, j'ai dit, je t'assure. C'est vous qui m'avez appris. C'est faux, c'est toi. Tu sais quand ils avaient fait une vidéo avec une fiche. Oui. C'est toi. Moi, je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant. C'est comme tout à l'heure. C'est ma petite nièce, attends, son message qui m'a envoyé un message. Pour dire qu'on dit à fête demain que la bête là, elle s'est maquillée aujourd'hui. C'est coiffée aujourd'hui. Vous savez, c'est qui la bête? On dit à fête demain que la bête là, elle s'est maquillée. Vous savez, c'est qui la bête là? Écoutez, Eva, qui est la bête là? Toi, il y avait tous les noms pour t'appeler. Bête, plop, akpama, morveuse. Elle a fait vidéo pour dire qu'elle a fait coiffure, elle a fixé sa perruque. Bon, fête qui est demain. Donc, toi, tu te laves plus. Elle fait maquillage, elle fait coiffure toujours. Elle dit qu'elle a fixé tout sur sa tête parce que on va pas, faut pas demain, on va arracher. Parce que je lui avais dit, ah, en tout cas, si en direct, il y a quoi que ce soit demain au gala, là, bonjour France, là, elle n'a qu'à m'envoyer. Donc elle m'a envoyé un message. Elle dit, en tout cas, les gens sont en train de se préparer pour la bagarre. Qu'elle a fait vidéo pour aller se maquiller, pour aller fixer sa perruque, coudre, couler, tout ça. Elle dit, parce que personne ne va voler sa perruque pour couler, pour partir. C'est qu'elle se prépare pour aller se battre à l'aïa. Ou bien. En tout cas, elle a collé, je l'ai vu, elle s'est maquillée là-bas, elle faut s'il. Moi, c'est ma petite mère qui m'a appelé pour me dire qu'elle allait qu'elle dit qu'elle condamne. Bon, c'est pas un message que tu entends d'envoyer. Aya va la frapper. Est-ce qu'elle connaît Aya? Elle connaît pas où? Qu'est-ce qu'elle connaît Aya? Non, parce que moi, je l'ai jamais vu, je la connais pas. Mais Aya dit qu'elle fait un mètre combien là? Aya va me faire peur, les gars. En tout cas, elle vit des coups qui affronter Aya. Moi, elle est vue, elle est mince comme ça. Bon, moi, je suis très courte, donc pour moi, c'est vrai qu'elle est plus grande de taille que moi. Mais Aya dit qu'elle fait 1m80, quelque chose, non. Elle vit, non. Non, Aya. Tu as vu Aya? Non, j'ai vu Edwige, je n'ai jamais vu Aya. Oui. Mais Edwige, elle est mince comme ça. Mince. Aya peut la soulever avec une main. Elle vit même, elle est mince comme ça. Et puis, oui. Elle n'a même pas des fesses. En tout cas, elle est mince comme ça. Aya que je vois dans les vidéos là, on dirait qu'elle est costaud, hein. Bon, on dit les vidéos aussi blague les gens, mais elle dit toujours qu'elle fait 1m80, quelque chose, non. Bon, pendant que n'est pas encore arrivé, toi tu commences aujourd'hui à faire une vidéo pour dire que tu te prépares pour la bagarre de demain. C'est pas la provocation. C'est la provocation, on va la frapper, puis la casser en deux. Il faut que je sois connecté sur ce RTI demain. Hé, hey. Aïwa. Gars, ça a chauffé. Il y a l'application RTI, non, si je ne me trompe pas. Tout ça, c'est pour aller voir ce qui passe ici. Bonjour, 2022 qu'on a fait en France. C'est quoi, ce canal, non? C'est ça, il faut qu'elle se connaisse pour voir s'il y aura bagarre. Si la blogueuse là-bas, bon, ça, ça prend là. On a Sénégal. Hé. Côte d'Ivoire, les chaînes africaines, ça fait bouquet. Attendez, j'arrive. Elle cherche bouquet même pour voir comment on va frapper sa fille, mon fils. Mais ça, c'est où? Va te Ah, Myriam. Tu peux être papa tout comme ça. Hein?
c'est moi qui a dit qu'elle est méchante. Hein? C'est moi ici méchante, hein? Ta soi-disant fille, tu as tout donné. Celle que tu as donné l'argent pour insulter les gens, pour être impoli envers les gens, pour être infronté envers les gens, pour être nyamalo frani envers les gens. Voilà. Jusqu'à tu dis même qu'on va la frapper. Tu cherches même. Tu regardes l'heure, à quelle heure même, bonjour 2022, là va commencer à l'ambassade là-bas, pour voir comment on va botter ta fille. Quelle Afrique, Marie, pour quelle Afrique? Mais de toute façon, RTI même, il y a son direct sur Internet. Tu tapes RTI en direct, ça sort. Sur YouTube, là. Maintenant, on a ça sur la télé, on va au salon, on a le bouquet Afrique. Eh, Kadi, tu as coupé mon cœur, que ce soit là, le monsieur là, s'il me guette, il est dangereux. Que j'ai coupé son cœur, que si le monsieur là, la guette, c'est dangereux. Mais je me dis où il va me trouver. Où il va te trouver? Tu l'as trahi, non? Il va te trouver. Elle a peur maintenant de Soro. Elle a trahi Soro. T'as dit quoi? J'ai dit, tu m'as fait peur, tu as coupé mon cœur ce soir-là. Le monsieur là, ici, me guette, c'est dangereux. Mais oui, il va me trouver. Tu dis, me guette, c'est dangereux. Non, si, me guette, c'est dangereux. Cas, dis-toi que moi, mes sorties là, j'étais derrière. Ça, je te dis. Si, me guette, c'est dangereux. Mais je me dis aussi qu'aujourd'hui, il ne peut rien me faire. Voici, c'est qui est derrière moi. Ah? Mais il faut penser à demain. Il sait qui est derrière toi. Non, mais attends. Même s'ils savent qui est. Elle dit ça. Elle dit Soro sait maintenant qui est derrière elle. Yeah. Tu l'as trahi. Tu as trahi le gouvernement pour Soro. Tu as trahi Soro pour le gouvernement. Toi-même, on doit te faire galette devant, derrière, brûler. Qu'il sait maintenant qui est derrière. Saraka dit dans mon camp flandala, Jaïli Mousso Nam Figi. Toi, tu peux mettre un pays en guerre. Toi, Myriam. Derrière toi, là, tu t'exposes d'une manière qui est contrôlée. Je me suis exposé trop. Mais j'ai déjà fini de tout exposer. Parce que moi, je sautais, je venais me défendre contre tes accusations et je me suis complètement exposé. Ah, tu t'es exposé. Elle est sortie pour se défendre contre moi, mes accusations. Elle s'est exposée. Elle a oublié de s'exposer. Je travaille avec Soro. Faut pas être trop parlé, hein. Hey! Je suis livré. Un franc symbolique cadeau. Un franc symbolique cadeau. Moi-même, je me suis livré. Ça veut dire si tu t'attaques à un enfant béni là, tu restes dedans. Tu tentes cette fois-ci encore avec moi. Tu vas rester dedans. Tu comprends? Tu tentes cette fois-ci là encore avec moi. Malgré tes chihuahuas qui sortent là, les narines bipolaires là, les Dagolo Jesse J là. Les plop-plonous, les autres là. Il dit, tu vas rester dedans, dans la paix du Seigneur. Oui. Maman. Mais tu es grand. Moi, comme j'ai dit, Dieu, sauf si j'ai fait du mal, sauf si je n'étais pas sincère, sauf si vraiment j'ai souhaité du mal à qui que ce soit, même à lui. Je ne lui ai pas souhaité du mal. J'ai dit que c'est dommage que tu fasses pas là-bas avec ton papa. Mon Dieu, si ça aussi c'est mauvais. Sinon, moi je me confie à Dieu. Je donne pour moi tout à Dieu. Que Dieu fasse ce pas là-bas. Que Dieu rétablisse la vérité. Mais c'est la vérité. Dieu est en train de rétablir la tienne. Tu te fâches pourquoi? Quand tu faisais bénédiction là, tu as oublié? Que Dieu établit la vérité. Mais moi, je suis en train d'établir la vérité. Dieu me charge d'établir la vérité. Dieu m'utilise pour rétablir la vérité. Pour dire que tu es une grosse menteuse. Tu as toujours été avec Soro. C'est à la dernière minute que tu as trahi Soro par rapport à l'histoire de Fofana. C'est pourquoi il est fâché contre toi. Sinon, qui a prévenu Soro pour ne pas descendre en Côte d'Ivoire? Quand il partait en 2019, il partait à Abidjan là. Et puis son avion a fait marche arrière en l'air. Hey, qui a prévenu? Hein? Qui a prévenu Soro? Très triste que tu sois.
Dieu m'est témoin. Même à tout, j'ai dit, je lui ai dit. J'ai dit, c'est vrai, le petit, il a fauté. On lui prend, on tire ses oreilles, reprenez votre personne. Lui aussi, je lui ai dit, c'est des sourires, elle parle comme ça. Ça dit, elle parle comme ça. Elle dit que même tonton, c'est le président de la République, elle parle comme ça. Même tonton, je lui ai dit, le petit a fouetté, on lui prend, on lui tire ses oreilles. Toi, tu es sûr que tu as parlé comme ça à le président de la République. Hé, hey, Myriam. Ça dit, tu me prenais pour une mamboule, quoi. C'est pourquoi il t'a fait ça propre. Tu me prenais pour une mamboule. Ça dit, c'est toi, tu vas venir. Il a les conseillers et tout, hein. C'est toi, comme ça, la farfelue de nulle part. Simple. Simple gouvernante. Simple dame de compagnie de Maman Thérèse. C'est toi, tu vas venir t'arrêter devant le président de la République pour lui dire, le petit, il a fouetté. On le prend, on lui tire ses oreilles. Tu me prends pour une bête ou bien quoi. Toi, tu peux parler comme ça devant le président de la République, espèce de pafrouteuse que tu sois. C'est tes parents. Toi-même qui es là, mais tu n'as ni père ni mère, tu n'as personne. Ah. À l'époque, là, même tous ses frères, tout le monde était en prison. Et les souris, ils parlent. Il va demander pardon à ton papa. Il n'y a pas de honte à ça. Ça là, Dieu, te voilà, tu es devant moi, tu es témoin. Si ça là, c'est mauvais. Il faut m'humilier. Mais si ce que j'ai dit est vrai, et c'est ce que... Si ça là c'est mauvais, il faut m'humilier. Humiliation dépasse ce que je suis en train de faire là. Tu as fait ta bénédiction. Dieu a dit à Mina. Tu sais, quand tu fais les bénédictions, tu sais que tu es coupable là. Tu sais que tu caches quelque chose là. Il ne faut pas faire bénédiction. Même Dieu, le Tout-Puissant qui est là-haut, il est là même pour les mauvaises personnes. Il est là pour les mauvaises personnes et les bonnes personnes. Vous comprenez? Quand tu fais ta bénédiction là, Dieu était là et te regardait. Qui dit que si toi tu n'es pas vrai, qu'il faut que Dieu t'humilie. Vous avez entendu oui ou non? Moi je cherche des alliés. Toi tu es malade et toi la fille là. Tu es très malade, tu es bête. Bref. C'est les imbéciles, c'est les envoyés de Ploplon. Oui, vous êtes les envoyés de Ploplon. C'est de ça qu'il est su. Myriam. Myriam. Ça là, Dieu, te voilà, tu es devant moi, tu es témoin. Si ça là, c'est mauvais. Il faut m'humilier. Mais si ce que j'ai dit est vrai, et c'est ce que j'ai dit, Seigneur, élève-moi, protège-moi, sauve-moi de tout ça. Mm-hmm. C'est ce que j'ai dit. Et c'est ma position jusqu'aujourd'hui. C'est vrai, on s'est fâché parce que c'est le manque de respect. Mm-hmm. On te dit, respecte le monsieur, ne fais pas, on va arranger, on va faire ça, on va faire ça. Tu ne dis même pas à quelqu'un, et quand tu sors, quand c'est la personne qui va nous dire que ah, l'enfant est sorti sur moi encore. Ça dit, elle pense qu'elle parle à un enfant de 2 ans. Elle dit qu'elle a... Que c'est le président même qui va lui dire que vous avez fait, l'enfant est sorti sur moi encore. Tu penses que c'est notre bêtise qu'on fait sur la toile là? Le président va aller voir qui pour dire que l'enfant est sorti sur moi encore. Pic! Myriam, voilà, tu as fait ta bénédiction à la quoi, Amina. Ils sont nés. Il te faut, il est là, Kankoy. Je ne suis pas en train d'inventer quelque chose sur toi. Tu es coupable. Tu as fait bénédiction. Dieu a dit à Mina, voilà l'humiliation totale. Jusqu'à on parle de ton bisou, fais-moi bisou, dis-moi que tu m'aimes. Ça, là, l'humiliation dépasse ça. Jusqu'à Maman Thérèse même t'a chassé à côté d'elle. L'humiliation dépasse ça. Vous qui la soutenez là, c'est comme ça vous allez être exposé, humilié aussi. Inch'Allah. Inch'Allah. Vous qui la soutenez dans le mensonge, dans ces bêtises là, c'est comme ça aussi Dieu va vous humilier. Inch'Allah. Tu as fait bénédiction, non? Vous pensez que Dieu est dans les conneries? Tu es coupable jusqu'au cou. C'est toi qui vas venir t'asseoir pour t'adresser à Dieu. Mais Allah qui a droit ou Jabi, de quoi je me. Tu te plains de quoi? Avec toutes les bêtises. Avec les bêtises que tu as fait là. Tu pensais que ça allait rester comme ça sans être puni? Ah non. Je vous ai dit, il y a une force en moi. Croyez-moi ou pas, laissez. Il y a une force en moi qui me guide. Je suis inspiré comme rien. Je suis attaqué de partout. Mais, Allah ka fanga dia. Allah ka daoula dia.
Dieu m'a donné le courage et la force d'établir la vérité. Et cette vérité, je vais l'établir propre. Je vais établir cette vérité-là dans la paix du Seigneur, Inch'Allah. Que vous me croyez ou pas, mais ceux qui me suivent depuis le début savent qu'il y a Kadi là. Quand elle parle, elle dépose les preuves. C'est de ça qu'il est question. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que quelqu'un. Si tu chies, je chie. Il n'y a pas à faire de dire que tu es puissant. Non, 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 c'est Dieu seulement qui est puissant. C'est le respect qui fait truc. Sinon, c'est Dieu le Tout-Puissant seulement qui est puissant. Voilà. Mais reprenez votre personne. Lui aussi, je lui ai dit, c'est tes parents. Toi-même qui es là, mais tu n'as ni père ni mère, tu n'as personne. À l'époque, là, même tous ses frères, tout le monde était en prison. Mm-hmm. Il va demander pardon de papa. Il n'y a pas de honte à ça. Mm-hmm. Ça là, Dieu, te voilà, tu es devant moi, tu es témoin. Si ça là c'est mauvais, il faut me humilier. Mais si ce que j'ai dit est vrai, et c'est ce que j'ai dit, Seigneur, élève-moi, protège-moi, sauve-moi de tout ça. Mm. C'est ce que j'ai dit. Et c'est ma position jusqu'aujourd'hui. Ah. C'est vrai, on s'est fâché parce que c'est le manque de respect. Mm-hmm. Mm-hmm. On te dit, respecte le monsieur, ne fais pas, on va arranger, on va faire ça, on va faire ça. Tu ne dis même pas à quelqu'un, et jusqu'à du seul cas, c'est la personne qui va me dire que ah, l'enfant est sorti sur moi. Mm. Il y a le président n'a rien à faire. C'est pour ça que moi, je me suis fâché. Tu vas aller vous dire que l'enfant est sorti encore, tu vois. C'est comme là, on est en train de parler. On s'est pris un engagement. Tu me dis, oui, il n'y a pas de problème. Grâce, j'ai tout effacé. Et puis, on reste là. Dans deux mois, je vois que tu sors des audios. Je vais me fâcher parce que tu l'as... Ah là, il faut te fâcher. Oui. Oui, il faut te fâcher. Tu pensais que moi, j'allais effacer. Non, si on te disait que moi j'allais effacer, tu allais me croire? Non! Si on t'a dit que moi j'allais, si quelqu'un t'avait dit que Kadi va effacer les audios, là, tu allais croire à ça. C'est pas pour ça que tu me payais comme ça. Et puis on dit, je suis mendiante. L'ouvrier mérite son salaire, non? Hein? Tu me payais pour que je supprime les preuves, pour que je supprime les clés. On t'a entendu ici. Du quand tu me supplies. Tu enchaînes la cigarette. Quand ça finit, tu prends. Oh, tu m'as donné tension encore, Kadi. Hey, Kadi, clé là, il faut récupérer. Tu tremblais si toi comme ça. Tu te reprocherais, mais tu trembles de quoi? Tu dis, Dieu n'a qu'à établir la vérité. Si tu es faux, tu n'es pas vrai. Que Dieu t'humilie. Humiliation, mais t'es ménique. Adam, elle était fille, mais t'as qu'à n'y Tu me mets dans vos conversations, j'entends les bisous, les hi-hi, les ha-ha là-bas. Hein? Ça, la humiliation dépasse ça. Tu es humilié. Dieu a fait son travail dans la paix du Seigneur. Dieu n'aime pas les faux culs. Dieu n'aime pas les personnes qui sont mauvaises comme toi. Dieu n'aime pas. Oui. C'est pourquoi on vous dit là, il faut être sincère dans la vie. Ne passez pas comme ça. Ne vous prenez pas pour les plus malins. Dans la vie là, il faut être droit. C'est Dieu qui établit la vérité. C'est Dieu qui peut t'amener là où il faut. Ne grattez pas les choses, ne forcez pas les choses. Laissez le temps au Dieu, à Dieu. Mais hein, toi, tu es tellement pressé dans ta vie. Tu veux manger chez le gouvernement, tu veux manger chez Soro. Voilà maintenant toi. Voilà toi. Les soroïstes même vont t'écouter, vont dire, mais go la main, elle était maudite. Hein? Regarde comment elle parle à notre Soro Kourouni. Tu es dans pain, tu es devenu gombo, tu es devenu galette, devant, derrière, tout est brûlé. Regarde comment tu t'adresses, même. Regarde comment tu es en train de rabaisser Soro. Du coup, tu dis que c'est Soro qui veut te faire du mal. N'entrez ici. Pourquoi il veut te faire du mal? Vous tous, vous êtes des fiolets, non? C'est vous qui donnez la fiole aux gens, non? C'est pourquoi tu as la facilité de déparler d'empoisonnement dans ta bouche. Espèce de fiolaz. Ça, c'est vraiment un bon exemple. Je n'ai même pas joué ça. Non, c'est une façon de parler, tu vois. Non? Mm-hmm. En fait, voilà d'où est venue l'affaire. Mm-hmm. Puisque c'est caté entre vous. Mm-hmm. On est en train d'arranger. Qui arrange même? Mm-hmm. Qui est en train d'arranger? Et on te dit, ne sors plus, ne parle plus, il faut respecter ton papa en train de demander pardon. Tu dis, ok, d'accord. Mm-hmm. Tu vois, tu me dis, ok, grand soeur, j'ai tout effacé, j'ai effacé tous les audios. Et mm-hmm. puis on est là, deux mois après, c'est-à-dire, donc c'était en décembre, en fin d'année, ou quoi. Et tu sors. Sur la personne en plus. Donc c'est Solo qui a fait ça. Il est impoli quand même. Est-ce qu'il n'y a pas le droit de se fâcher? Ah ben, attends.
Lui, la mère, on doit le mettre en prison. Il n'y a pas fâchement sur lui. Il doit payer pour ses crimes. Non, dis-moi. Non, c'est la trahison. Allô? Tu peux pas me vouloir pour ça? On t'en veut pas pour ça seulement. Hein? Tu vous étiez ensemble, non? Tu l'as trahi. Tu ne peux pas m'en vouloir. Voilà que tu as trahi. C'est toi qui as dit que Fofana arrive là-bas. C'est toi qui as livré Fofana. C'est moi qui suis fâchée parce que c'est moi qui me sens trahi. Donc on a dit bon, nous on se mêle plus. Déjà, moi on se mêle pas avant. Toi, tu t'es toujours mêlé. C'était pas notre problème. Tu t'es toujours mêlé quand tu as mêlé même Maman Thérèse Dida. Tu mens qu'on ne s'est jamais mêlé. Le père fondateur même de la Côte d'Ivoire, c'était un politicien. Il fut le premier président de la Côte d'Ivoire. Sa femme, qu'elle le veuille ou pas, elle est politicienne. C'est de ça qu'il s'agit. Donc tu racontes quoi? Que nous-mêmes, c'est interdit dans la famille. Tu n'es pas de leur famille, tu n'es qu'une simple bonuche. Tu n'es pas de la famille. Attendez, je vais cacher ça ici, parce qu'il y a la lumière là qui tire. Tu n'es pas de leur famille, tu n'es qu'une simple bonuche. Oui, c'est moi qui t'ai dit ça. Mais est-ce que tu as respecté même ce qui sortait de ta bouche? Tu as toujours fait la politique? Tu as toujours fait la politique croyant que tu allais devenir ministre de la femme et tu cautionnais les bêtises de Soro. Tu as pris les informations du gouvernement pour aller donner à Soro. Et après, tu as trahi Soro. C'est pourquoi Soro ne parle plus avec toi. Je mens? Hein? C'est pourquoi ta poupée gonflable est fâchée contre toi. Tout ce que tu as dit à Soro là, je vais dire. Et ce que tu as fait à Soro, je vais dire. Tu as fait quoi à Soro? Ben, il faut dire aux gens ce que tu as fait à Soro. Espèce de traite, galette, devant, derrière, brûlée. Des imbéciles qui sortent là, je n'ai pas affaire à eux. Donc, débrouillez-vous maintenant, faites ce que vous voulez faire. Et puis nous, on s'est tourné assis. Et depuis, on ne s'est plus parlé jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, hein. Jusqu'à aujourd'hui. Mais moi, je ne peux pas penser que ça peut faire que tu vas me guetter jusqu'à envoyer les gens contre moi comme ça. Il a envoyé qui contre toi? Ah, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit là, c'est vrai alors. Fils de Walinga, tu n'es pas bon, hein? Toi, tu es la première ingrate même sur la terre. Toi. Il n'y a pas plus ingrate que toi. Toi, tu dors, tu as mis couvert. Toi, il n'y a pas plus ingrate que toi. Maman Thérèse qui t'a pris, fils Abilay, te mettre à côté d'elle. Tu n'as pas été reconnaissante envers cette maman. Pendant que tu lui donnes son bain, il y a une salope qui est en ligne avec toi sur WhatsApp vidéo. Et puis elle a le temps de regarder cette maman. Ça, c'est un. De deux, tu allais dire à tes chiens des chihuahuas là, qu'à cause d'elle, tu n'as pas terminé tes études. Et les privilèges que tu as gagnés à cause d'elle. Tu voyageais dans l'avion présidentiel à cause d'elle. On en parle. Hein? Quand tu allais te coucher là-bas, s'il te plaît, princesse, quand tu allais te coucher là-bas, hein, en avril, et tu m'appelais sur WhatsApp vidéo, tu étais couché dans le lit où le coussin était brodé en initial de Oufoué Boigny. Le coussin était brodé avec l'initial de papa Oufoué Boigny, paix à son âme, que son âme repose en paix. Que tu m'as montré en doré. Comment j'ai fait pour savoir ça? Quand maman Thérèse ou ses enfants vont m'entendre, ils vont savoir que je ne suis pas en train d'inventer. Les coussins sont brodés, en doré, en fil d'or, doré, avec initiale de papa. Comment j'ai fait pour savoir ça? C'est pas toi qui m'as appelé me montrer ça. Tu étais couché dans ce lit là-bas. Hein? Et il y a beaucoup de choses que je ne veux pas dire sur la toile. Il y a beaucoup de choses que je ne veux pas dire sur la toile. C'est toi, on va te défendre. Toi, tu es où? C'est ton où on peut défendre. Espèce d'ingrate que tu sois. Toi, tu es une ingrate. Tu n'as pas été reconnaissant envers la famille Oufoué. Espèce d'ingrate. Au contraire, tu es venu les diviser. Tu es venu les diviser. Tu es venu mettre la vieille en palabre avec ses enfants. Ingrate que tu sois. Même son fils Olivier, tu n'as pas manqué de le... Il y a sa voix ici. Tu n'as pas manqué de l'enregistrer et puis m'envoyer ici. C'est 400 coups. Tu l'as enregistré.
Tu es parti à Abidjan là-bas. Je ne sais pas où vous êtes trouvé où là-bas. Avec deux filles, vous étiez là-bas. Je ne sais pas comment tu as fait pour savoir ça. Il ne faut pas faire. Hein? Faut pas faire. Tu veux que je parle? Hein? On te fait confiance. On te fait confiance. Il est avec ses oh oh oh. Et toi, tu vas enregistrer tout ce qui se passe là-bas. Hein? Toi, là, qui peut te défendre même? Si ce n'est pas le mouton, qui peut te défendre? Le pauvre. Elle est comme ça, hein? Si elle est déjà sortie avec quelqu'un là, elle va te traquer. Même si tu te maries, même si tu es dans tes 400 coups, elle va te traquer. C'est moi qui vous dis ça. Elle est comme ça. Vous êtes sur ta tête à la prochaine. Parce que tu es en train de dormir. Tu dis quoi? Je dormais même. Telle maman, elle parle trop. Elle dit, attends, hier raccroché. Parce que tu es en train de dormir. Mais je dormais. Vous allez voir, c'est fini. Mais moi aussi, je me suis réveillée en sursaut. Tu arrêtes là. Je me suis réveillée en sursaut. Et puis j'ai menti. Je dis, non, je ne dors pas. Je dors pas, je réfléchis. J'ai dit, je dors pas, je réfléchis. C'est toi qui dors. La situation est grave. Non, c'est grave justement parce que... Elle dit que c'est toi qui dors, la situation est grave. Qui m'appelle? Je suis en train de vous m'appeler. À quoi? Oui. Allô? Oui? Bonjour? Ah, d'accord. Oui? Mmh. Oui, j'ai donné le nom. Vous n'avez pas vu? Le questionnaire est disponible où ça? Dans mon espace client, c'est ça? Est-ce que vous pouvez me renvoyer le lien, s'il vous plaît? Vous pouvez me renvoyer le lien encore? Voilà. Je fais ça tout de suite, là, tout à l'heure. Merci. Si c'est bon, vous me dites que c'est bon, d'accord? Je vais faire ça tout à l'heure et puis voilà. Ça marche. Ok, merci bien. Au revoir. Au revoir. Désolée. Mais moi, je ne peux pas penser que ça... Ça peut faire que tu vas me guetter jusqu'à envoyer les gens contre moi comme ça. Ah, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit là, c'est vrai alors. Ah, c'est vrai. Fils de moi, Lilian, l'attitude n'est pas bon, hein. Quand tu dors, tu habilles couvert, tu sous ta tête à la prochaine. Parce que tu es en train de dormir. Tu dis quoi? Tu dors? Non, je dors pas, je réfléchis. C'est toi qui dors, alors que la situation est grave. Non, c'est grave justement parce que je réfléchis à beaucoup de choses en même temps, quoi. Parce que cette histoire-là, Amami Lami et Kitchen, c'est pas ça, en fait. Il dort, mais on m'a attrapé, il dit, il dort pas. Elle dit, la situation est grave et puis moi, il dort. Allah. C'est pas ça, parce que DS là. Elle t'a laissé faire. Mais toi-même, il faut réfléchir là-dedans. Moi-même, je m'en fous d'elle. Moi, c'est ceux qui sont derrière. Non, mais ceux qui sont derrière, là, tu les connais. Tu sais comment ils fonctionnent, non? C'est ça! Ils sont des chats noirs. C'est pas ça, je viens gros devant moi. Et lui, elle, toi, elle t'a tué. Ah oui. Et lui, elle, toi, elle t'a tué. Hein. Et pourquoi il te dit, moi-même, je suis en danger? Ah, tu dis, c'est pas toi. Même moi. Je te dis, on me menace tous les jours ici. Ah! Tous les jours. Et j'ai dit. On m'a dit d'enregistrer tous les menaces là, je te jure. Je mélange tous les jours. Go la même est dépassée. On me mélange tous les jours ici. Regarde, pardon, il faut appeler le monsieur de YouTube. Là, quand il fasse les vidéos, toi aussi, il faut effacer tes audios. Que Dieu nous garde. Je vais couper mon jeûne parce que là où je suis, l'attention va monter encore. Vas-y, je l'appelle. Ok, merci. Tension va monter encore. Il m'a fouillé.
Si il est d'accord, il t'entend pas. Ce qui est sûr, si vous voulez me croire, croyez. Si vous voulez pas me croire aussi, c'est à vous de voir. Je suis pas une menteuse. Je suis pas une menteuse. Ah, je suis pas. Princesse. Allah est comme un bon yadi. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis pas une menteuse, hein. Ah ah. Tu fais exprès, ou tu dis demain seulement tu vas à l'école, Inch'Allah. Tu vas à l'école, force même, tu vas voir. Tu vas te trimballer à l'école là-bas. Hi, j'ai chaud quand même. Donc voilà ça quoi. Vous pouvez me croire, quoi, vous pouvez pas ne pas me croire. Pas. Il y a des voyages ici, des écalandes qui n'ont pas de cerveau là, à la place de... Je les ai bloqués même d'ailleurs. Donc je ne suis pas ici en train de demander amitié de qui que ce soit. Hein. Non, pas du tout. Je suis venu dire ma part de vérité. Vous-même réfléchissez très bien. Voilà. Je vais vous laisser. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ça, c'était Kiri là ici. Ouais. Eh, hey, défaut, pardon. Moi, je me cherchais. En tout cas, je dormais pendant que la situation est grave. Ah, défaut, tu vois, non, Kadi n'est pas bien. Pendant que c'est chaud, on dit que c'est chaud. Attendez, je vais me déplacer. Pendant que la situation est grave, moi, je dormais. On peut faire ça, Kadi. Ah, non, pas bien. Pendant que la situation est chaude, moi, je dormais. Ah, Gola même a dit que non, la Gola est la foutaise. Hmm? Hmm. Arrête. Non, c'est pas ça. Donc, les amis. La situation est grave. Mais je n'ai pas dormi. Pourquoi? Depuis là, on parle, on parle, on parle. Hein? Ça finit pas. Moi, je me cherche. La situation est grave. Soro Guillaume la chaise. Hé, hé, là. Soro la chaise. Soro veut faire sa sauce. Maman. Ma présence. Attends, je vais travailler. Les amis, je vais vous laisser. On se dit à la prochaine, Inch'Allah. D'accord? Oui. Ami, la poussée Kaboyrona. Il t'a connu, mon fils. Kosso. Kosso. Kosso, kosso, kosso. Kosso, kosso, kosso. Les amis, bye bye, à la prochaine, hein?